Bonjour, bonjour. C'est pas en néerlandais, mais c'est en français. Je m'excuse. Bonjour, tous les Gémeaux. Normalement, les Gémeaux, on aime de parler des différentes langues. Donc, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, parce que ça, c'est en général. Mais qu'est-ce qui se passe pour le mois du septembre pour les Gémeaux, pour septembre 2014? Eh bien, c'est un mois que normalement, les Gémeaux, on va aimer ça. Pourquoi? Parce que pendant le mois, il y a un trigone entre Jupiter et Uranus. Et ça veut dire quoi? Uranus, c'est la planète de la liberté, la planète de l'authenticité. Et Jupiter, c'est la planète de l'expansion, d'opportunités, de possibilités et aussi de la spiritualité. Donc, quand on va joindre ces deux planètes, ça veut dire qu'il y a une possibilité pour tout le monde, parce que ça, c'est en général, pour se libérer. Et ça, c'est important pour votre opportunité, pour votre expansion, pour votre spiritualité. Mais ça veut dire quoi spécifiquement pour les Gémeaux? Ça se trouve dans votre troisième et onzième maison. La troisième et la onzième maison, ce sont des maisons communicatives. Donc, ça sera pendant le mois du septembre un mois assez communicatif pour les Gémeaux. Normalement, on est déjà communicatif, mais encore en plus pour le mois du septembre. Et la troisième maison, c'est aussi des études. Donc, pour beaucoup, et naturellement, on est le mois du septembre, mais pour beaucoup de Gémeaux, on va faire quelque chose, peut-être continuer une étude, mais aussi quelque chose de nouveau. Et ça va être très très important pour votre futur, parce que l'onzième maison, c'est la maison de votre futur. Donc, n'importe quoi que vous êtes maintenant pour le mois de septembre, peut-être un workshop, peut-être un cours de quelques leçons, ça va vous donner beaucoup de possibilités de utiliser ça, parce que normalement, si on commence quelque chose, une étude, c'est pas le cas qu'on va utiliser ce qu'on apprend, pas toujours. Mais maintenant, c'est un peu amplifié ici pendant le mois du septembre. Donc, profitez-en les Gémeaux pour étudier quelque chose de nouveau ou, si c'est pas le cas pour étudier, c'est le cas de la communication. Donc, Internet, networking. C'est vraiment favorisé pendant le mois et aussi le pire pendant le mois du septembre. Merci, chers Gémeaux. Si vous voulez une consultation, n'hésitez pas, tout l'info ici au-dessus. Et à la prochaine, au revoir.